Dites-moi qu'Isabella va bien. Oui, mais elle s'est fait mal à la cheville. Il faut qu'on retourne la chercher. Non, je ne veux vraiment pas abuser de votre gentillesse. Et puis Sarah m'a dit que vous aviez une mission importante à accomplir. Je vous en prie, on devrait pouvoir s'occuper d'Isa. Vous aurez besoin d'un homme ou deux et de quelques cordes pour la sortir. On va y aller tout de suite. Elle est où exactement ? Prenez la route principale après la rivière et ensuite suivez les croix. Mais les croix ? Elle a trouvé quelque chose ? Oui, elle a trouvé la crypte dont parlait Manu. Vraiment ? C'est merveilleux ! Oh, je suis bien content pour elle. J'aurais dû l'accompagner et je m'en veux beaucoup pour sa cheville cassée. Mais malgré tout, c'est l'aventure dont Isa a toujours rêvé. Et puis, elle a aussi suggéré d'envoyer Sarah avec le groupe qui ira la chercher. Oh, c'est une très bonne idée. Je vais arranger ça. Et en parlant de Manu et de ses histoires étranges, si vous cherchez quelque chose de caché dans le coin, c'est à lui que vous devriez parler. Ça a marché pour Isa. Vous le trouverez à la mission, comme d'habitude. Et merci encore d'avoir trouvé Isabella. Je ne sais pas ce que je serais devenu si... Ramenez-la ici, saine et sauve. Bonjour. Lara, je vous remercie d'avoir trouvé Isabella. Oh, c'était un plaisir. Et elle avait raison. Il y avait bien une crypte cachée. Vous devez être Manu. Qui va là ? Annoncez-vous. C'est la fille qui a trouvé le trésor. Ah, tiens donc, Diego. Bien, bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vous ai entendu parler de ruines Maya aux enfants. Enfin ! Quelqu'un qui écoute ce que je dis. Eh bien, vous aviez raison pour les croix. Isabella les a suivis jusqu'à une crypte cachée. Ha ! Je le savais, je le savais. Personne n'écoute jamais le vieux Manu. Mais j'avais raison ! En effet. Et je parie que vous dites aussi la vérité pour ces ruines Maya. Je reconnais quelque chose dans votre voix. Le frisson de la découverte, de tomber sur quelque chose, un endroit resté caché des centaines ou des milliers d'années. C'est vrai que c'est excitant, je suis tout à fait d'accord. Je connais rien de pareil, le parfum de la poussière, il en faut pas plus pour que mon cœur s'emballe. Ces gens modernes, ces prétendus réalistes, ils s'empêchent de profiter de tellement de possibilités. Ils n'imagineraient même pas les choses que j'ai pu voir. Ah, et je donnerais tout ce que j'ai pour les revoir une dernière fois. Je pourrais peut-être remplacer vos yeux. Je vous décrirai ces ruines Maya. Ce serait possible, oui. Vous vous rappelez où se trouvaient ces ruines ? Où ça pouvait être ? Je me souviens d'un bassin alimenté par 3 cascades. J'aimerais vraiment pouvoir être plus précis, mais ça fait tellement d'années. Je vais me débrouiller avec ça. Et quand j'aurai trouvé, je reviendrai tout vous raconter. Oh, si vous pouviez faire ça pour moi, toucher cette histoire, je serais tellement... N'en dites pas plus, Manu. Je vais trouver. J'espère que vous êtes prêts à danser, Manu. J'ai trouvé les ruines. C'était bien Maya, un ancien aqueduc. C'était merveilleux, comme vous l'aviez imaginé. Ah, j'en étais sûr. Maintenant, racontez-moi tout. Les ruines étaient inondées à cause du séisme. J'ai nagé dans des tunnels remplis de dangers. Et ? J'ai trouvé une caverne et une tour en pierre. Des grandes têtes étaient sculptées sur les côtés. Les seigneurs de Shibalba, c'est ça ? Incroyable. Quoi d'autre ? C'était sûrement un aqueduc à une époque. Et vous n'allez pas me croire, mais la plupart des mécanismes fonctionnent encore. Des roues à eau de 5 mètres de haut qui tournaient comme au premier jour. C'était incroyable. Ah oui, je vois aussi, c'est le dernier truc qu'on a fait. Si près de où il y avait les piranhas. Histoire, un endroit resté intact pendant des siècles. Je peux tout voir, je peux sentir, toucher, humer. Ça fait des années que je n'avais pas pleuré. Je sais pas comment vous remercier. J'aimerais vous donner quelque chose. Manu, je ne peux pas. Je vous en prie, j'insiste. C'est la première relique que j'ai trouvée. C'est un crâne d'ornement magnifique et décoré. J'aimerais qu'il revienne à quelqu'un qui partage la même passion pour l'exploration que moi. Ne laissez rien détruire votre curiosité et votre émerveillement. Promis. Merci, Manu.
Une substance adhésive faite de sève et de poudre d'os. Salut. J'ai tout un tas de choses. Très bonne affaire. Je parie que vous en serez ravi. Cet échange me paraît équitable. Je parie que vous en serez ravi. Très bonne affaire. Je parie que vous en serez ravi. Très bonne affaire. Cet échange me paraît équitable. Je parie que vous en serez ravi. Cet échange me paraît équitable. Très bonne affaire. Je parie que vous en serez ravi. Très bonne affaire. Je parie que vous en serez ravi. Cet échange me paraît équitable. Je parie que vous en serez ravi. Steph, non alors. Très bonne affaire. Je parie que vous en serez ravi. Très bonne affaire. C'était un plaisir de faire affaire avec vous, mon ami. Mais oui, Guillermo, je vais bien. Je sais, elle avait raison. Manu aussi. Quand elle ira mieux, on ira fouiller ses ruines. Tous les deux.
Ouais, on verra plus tard, ouais. Encore quelque chose. Ben ça, il doit avoir moyen de le faire, sauter. À l'intérieur. Ah ouais. Alors ça, je sais pas, je peux pas le faire sauter ça. Un par un, on verra bien. Oh, on va aller dans un autre niveau, on reviendra là ici plus tard. Ça décrit quelque chose de proche. Deux gardiens ont des crocs, deux gardiens ont des pieds, un gardien a les deux pour mieux me protéger.
peut-être ici. Les entends appeler depuis sous la terre. Toutes ces voix. Les anciens dieux. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. Non ! Voyez vous-même. Voyez où le souffle des dieux s'élève du ventre de la terre. Écoutez leur hurlement. Je n'avais pas remarqué. Il est où ce souffle ? Vous verrez. Vous l'entendrez. Vous apaiserez peut-être leur tourment. De la marchandise à échanger. Je comprends pas comment ils peuvent cancaner comme ça, avec tout ce qu'on a perdu. Je suis désolée. Mais vous n'êtes pas mariée là ? Non, je... désolée de vous déranger. Oh. Nouvelle ? Allez donc voir Abigail. Elle insiste pour rencontrer tous les nouveaux. Vous parlez d'Abby ? Oui, je l'ai rencontrée. Elle m'a bien aidée. Ah, c'est notre Abigail. Toujours prête à réparer un générateur ou régler une dispute. C'est à la fois notre mère, notre gérante d'épicerie non officielle, la moitié de nos pompiers volontaires. Croyez-moi, mieux vaut éviter de l'affronter à coups de poing. Ça doit lui faire des cartes de visite format A4. Ah. Ok. Bonne chance et tout ça. Omar. Ah oui ? Ils travaillent depuis des heures. Et ? C'est pour ça qu'on les paie, non ? Du vent. C'est toi. Oh non, merde ! Maintenant dégage et laisse-moi regarder le match. C'est quoi ça ? J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Est-ce que tout va bien ? Non. Tout va très mal, comme d'habitude. Ces pillards ont débarqué, nous ont fait déterrer nos propres reliques et refusent de nous payer de façon décente. Et puis ils revendent tout ce qu'on peut trouver. On est au bout du rouleau. On trouve plus de travail sans pourvenir. On fait des cibles faciles. Et j'imagine que la tempête n'a pas dû aider. Le peu qu'on avait s'est retrouvé détruit ou noyé. Je vois pas comment m'en sortir. J'ai un peu d'expérience avec ce genre de personnes. Je peux peut-être aider. Je vois pas ce que vous pourriez faire.
C'est quoi votre nom ? Lara. Victor. Si vous voulez parler à Omar, notre grand tortionnaire en chef, chargé du vol et du pillage, il est ici. Merci. Soyez prudente. Il aime pas qu'on lui manque de respect. Cassez-vous. Omar ? Vous êtes qui ? Vous cherchez du travail ? Eh ben, c'est pas de chance. On a assez de gens. C'est Marco qui s'occupe du recrutement, de toute façon. Oh, oui, merci. Vous savez où je peux le trouver ? À votre avis, au bar. Vous fatiguez pas. J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. C'est peut-être bête après. Eh, hey, si vous avez besoin d'un guide dans Kuwakiaku, je suis là. Vous êtes le guide touristique ? Je sais où aller. Et surtout qui éviter. Je vois. Le meilleur poisson est sur le quai, forcément. Pour les tacos, c'est El Licor des Cerdos. Mais leur bière est tiadas. Je vais me méfier. Oh, et Omar, n'approchez pas de ce type. C'est les ennuis assurés. Il croit qu'il peut débarquer en ville et prendre tout ce qu'il veut. Très bien. Je vais faire en sorte d'éviter les ennuis. Ouvrez bien les deux yeux. Ça fait 2 ans que j'essaie de trouver le courage de l'inviter. Et quand enfin je l'ai... Non mais c'est qui ce type ? Je cherche Marco. Ah ouais ? Pourquoi faire ? Je voudrais juste lui parler. Il a pas envie d'avoir d'ennui. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Du travail ? Eh ben... Ok alors. Donc... C'est vous, Marco ? Dites-moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi. Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils, je vais... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils ? Ah, je me suis fait mal au genou, alors... Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de fouille. Il m'a nommé DRH, et... Il veut que je trouve quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, il gardera votre fils. Oui. Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo, même si je lui amène quelqu'un. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Vous ? Vraiment, vous feriez ça ? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai ? Merci. Et si vous voyez Pablo, dites-lui. Dites-lui que je suis là. Une nouvelle. Va falloir vous habituer à rien faire. Même si on passe le temps en buvant et en se muant. Vous n'êtes pas du coin ? Non, je travaille sur un bateau qui s'est échoué pas loin d'ici. La tempête nous a surpris. Il a coulé. On voit pas beaucoup de touristes ici. Oh, je suis pas une touriste, vous savez. Je suis scientifique. Ah, bon. Ah, mais si vous aviez vu comment c'était il y a 20 ans. En plein essor, vivant, animé et tellement optimiste pour l'avenir. Pff, optimiste, je dirais plutôt crédule. C'est-à-dire ? Parvenir est arrivé. Un groupe pétrolier de Lima. Ils ont débarqué, acheté la ville, offert du travail... Ils voulaient même construire des appartements de l'autre côté de la rivière. Jusqu'à ce que le rendement s'effondre. Le choc pétrolier. Maintenant, on fait avec ce qu'ils ont laissé. Dommage que vous soyez pas une touriste. Les touristes achètent des trucs, pas les scientifiques. Autrefois, ce village était sous la surveillance et la protection du Condor.
Mais on a laissé l'aigle le chasser. Je suis pas sûre de comprendre. Moi non plus. On s'est perdu dans notre quête matérialiste. On a cru qu'on serait plus heureux les poches pleines d'argent. Mais ça aussi, l'aigle nous l'a pris. Quelqu'un a barricadé le passage. Le pont a l'air déployé. C'était moi, Ina. Ça, c'est sûr. En tout cas, je remonterai pas par là. Ouais. Cette pièce est mieux conservée que le reste de la caverne, on dirait. Thank you.
oblige nos enfants à bosser. On devrait réagir. Après ce qu'ils ont fait à Marco. Je ne vous ai jamais vu par ici. Je viens d'arriver, mais je ne fais que passer. Vous fiez pas aux apparences. On est bien ici. C'est difficile, mais on est bien. Votre jardin a résisté à la tempête ? La chance et le travail. Beaucoup de gens y cultivent des choses, alors ils sont venus pour le protéger. Si on ne fait rien du tout, ça risque encore d'empirer. Mais il est loin ce con, hein. C'est un hommage à Soup. Il est où sur la carte? C'est quoi ça? Oh mon Dieu. Pitié, aidez-moi. Ça va aller? Ils vont venir me chercher. C'est toi, Pablo? Oui. Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va le retrouver. Je vais m'occuper de ce type. Merci. Merci beaucoup. Ne reste pas là. J'aime pas trop ce bruit. À mon avis, c'est à cause de son frère. Il pourra parler de syndicat. Allez voir là-bas. Restez groupés. Fuyez la zone. Faut que j'aille voir ce qui se passe. Ouais. Je dois retourner au village. Prenez vos affaires et rentrez au village. C'est vrai. Merci.
pourquoi il rentre pas.